Et yo les biches, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur une colloque d'enfer, donc toujours avec le foyer, avec Enti. Alors, je suis pas encore rentrée dans la partie parce que j'ai peur, j'ai très peur apparemment. Enti m'aurait fait un gros coup de crasse, donc j'ai pas voulu rentrer dans la partie avant de faire l'introduction. Donc voilà, je vais découvrir là ce qui a bien pu se passer. Je vois que j'ai pas changé, etc. J'ai vu qu'Enti avait eu son enfant aussi. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 c'est pas ce que je crois. Il y a quelqu'un qui se marie, je crois. Je crois que c'est moi. Je crois qu'il est en train de me faire épouser quelqu'un. Non, il a pas fait ça. Oh, attendez. Je suis mariée à qui? Il est laid, c'est lequel? C'est lequel? Il est même pas là. Ah oh, mon Dieu, non, ça va, on n'est que fiancés. Le voisin qui a les clés, d'accord, il a voulu se venger. J'espère que je suis pas enceinte non plus. Non, ça va, je m'attendais bien. Ah le salaud, ah le salaud, c'est quoi cette robe? En plus, je suis en robe de mariée, c'est ça? Mais il est où mon mec? Il s'appelle comment déjà? Romain. Il est même pas là? Il va me faire marier avec lui? Mais le marié, il est pas là. C'est pas possible alors que je me marie avec. Bon, Enti a un bébé. Donc c'est un garçon cool. Il s'appelle Peter Enti. Super. Et du coup, c'est qui? Oui, c'est qui le papa? Est-ce que ça m'intrigue? C'est le proprio. Dommage, c'est pas Deschi. Et toi, je vais te mordre parce que j'ai hyper faim. Ah, elle veut pas que je boive son sang. D'accord. Bah, dans ce cas-là. Je vais boire une grande quantité. Ouh, je vais pas remarier vampire. Mince, il est où? Ah, c'est peut-être lui là-bas, non? Oui, il est en train de nettoyer. Bon, mon gars. Fais en sorte que les invités regardent la cérémonie. Bon, on va se marier là. Moi, en vampire, ça va être beau. Bon, hop, elle est dans les pommes, ni vue ni connue. Et moi, je me marie ici, près du bateau pirate. Voilà, je sais pas si tout le monde regarde. Oui, ils arrivent. Donc me voilà mariée à Romain Martinez. Voilà, enchanté monsieur. Très belle moustache d'ailleurs. Enti, tu pourrais regarder quand même. Je le vois là-bas. Vous le voyez là-bas? Il a un petit côté Vladimir. Ça me dérange pas de me marier avec lui. J'espère juste qu'il va pas emménager avec nous parce que je veux bien me marier avec lui, mais j'ai pas envie de m'occuper de lui non plus. Oh, bah ça y est. Ah! J'essaie de le séduire, c'est ça? Ah, la bague. Derrière, ils sont en train de danser, ils s'en fichent de ma cérémonie. Je vais avoir le mariage le plus pitoyable de l'histoire. Et voilà, nous sommes mariés. Ah! Elle se transforme en vampire, elle. Vous pouvez faire emménager vos Sims mariés ensemble. Non, je veux pas qu'on emménage ensemble. Bon, on va continuer les interactions sociales. C'est qui? Ah! Il y a le maître des vampires! Il danse! Putain de style, mon gars. Moi, j'aurais bien voulu me marier avec le maître des vampires quand même, je l'aime bien. Il pourrait m'enseigner plein de trucs. Ah mince, mais j'ai pas de gâteau. Je crois qu'Enti, il a pas appelé de traiteur. Ah, j'ai pas l'impression qu'il y a un traiteur. Est-ce qu'il y a une cuisine? Il y a même pas de cuisine. Bon, bah tant pis. Je pourrais pas faire avancer mon mariage. Bon, ça va. C'est les noces d'argent. Ça me va. J'aurai une petite récompense à la fin. Par contre, c'est pas la fête, hein. Je reprends ma clé, hein. Tu viens pas quand tu veux, hein. La meuf qui se marie avec son gars qui lui demande de reprendre la clé de l'appartement, quoi. Félicitations pour votre nouveau mariage, c'était vous. Non! On n'emménage pas ensemble. Voilà. Et nous, on rentre chez nous, Enti. J'ai 2-3 mots à te dire. Donc, nous voilà à notre appartement. Donc, où est-ce qu'il est le petit? Il est là. Oh, pourquoi il est dans ma chambre? Genre, c'est moi qui dois m'en occuper ou quoi? Il a cru que j'étais la nounou? Voilà, heureusement que je suis là pour m'en occuper hein, de ce petit. Le pauvre. Ah bah en plus, j'atteins une compétence en éducation. C'est moi qui dois l'élever, ce petit, quoi. Alors que c'est même pas mon gamin. Ok, alors, au niveau de la maison, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai juste récupéré 2-3 trucs avant qu'on emménage. Puisque oui, vu qu'on commence à être beaucoup dans la maison, j'ai décidé de faire une maison hors caméra. Donc du coup, on va aller emménager là-bas. Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs qu'il faudrait que je récupère.
Hop, la photo de mon chien. Je crois que c'est bon. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à récupérer. Ok, cool. Donc, du coup, on va emménager dans la maison. Donc, la maison, je l'ai faite sur Bulteton Bay, la nouvelle ville donc avec chien et chat. Et... ah, attendez. Le code n'a pas marché. Voilà. Donc, j'ai construit une maison ici, à cet endroit. On va vendre les meubles, hein. À cet endroit, puisque je trouve que c'est l'endroit idéal pour jouer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maison qui se situe en face du parc pour les animaux. Et derrière, il y a une petite clairière. Vous allez voir, c'est vraiment un endroit hyper sympathique. Et j'avais la chance d'avoir un terrain libre. C'est génial. Et j'ai pu faire une jolie maison de famille. Donc, nous voici dans notre maison. Où est-ce qu'il est, Peter? Pourquoi Peter, il est dans ma chambre? C'est n'importe quoi, ça. C'est pas mon gamin. Bref, alors, voilà comment est la maison. Dommage qu'il fasse nuit, du coup, elle est pas mise en valeur, mais voilà comment elle se présente. C'est une maison classique et j'ai réussi à faire les toits. Je suis hyper fière de moi sur ce coup-là. Donc en fait, en faisant cette maison, j'ai voulu m'inspirer par voilà de la clinique hein, que vous voyez là. Je voulais que du coup le pattern se ressemble, que ça fasse vraiment quartier. Donc j'ai repris la couleur bleue et également aussi les pierres. Donc comme je vous disais, la maison se situe juste en face du coup du domaine où les chiens et les chats s'amusent avec le petit parc là. Bon, malheureusement, pour y aller, il faut se déplacer quand même. Hein, c'est pas vraiment à côté. Mais on a, voilà, une jolie vue. Et derrière, on a comme une petite clairière, voilà, avec ce gigantesque lac. Donc voilà, je trouvais cet endroit sympathique, même si l'eau verte fluorescente est très bizarre. On dirait que c'est pas très naturel. Mais j'aime bien ce petit coin, voilà, où on se balade comme ça, en amoureux, ou avec son chien, ou avec son raton laveur, peu importe. J'aime beaucoup cet endroit, donc j'ai construit une maison ici. Donc, nous avons tout d'abord l'entrée. Hop, je le fais en mode visite. Donc, nous avons une jolie entrée, donc avec plein de chaussures, des manteaux, des laisses pour les animaux, des petits bazars, des sacs, etc. Et un endroit où poser les clés et tout le courrier lorsqu'on rentre à la maison. Je vais peut-être dézoomer, voilà. Ensuite, nous avons le salon. Donc, j'ai fait un petit truc un peu cosy. Parce que vu que j'ai mis la jolie fenêtre avec la vue sur les tournesols et sur le parc, je voulais que ça soit un endroit où on se détendait. Donc, c'est pour cela que j'ai mis la télévision avec des petits canapés, avec ces petits fauteuils qui sont vermantes que j'aime beaucoup. Et un tapis avec des coussins pour que Peter, voilà, puisse jouer pendant que NT et moi, on regardera la télé. Donc, après, dans cette pièce... il n'y a rien de dingue, c'est juste les toilettes. Hein, ce n'est pas non plus la pièce à visiter, mais elles sont mignonnes quand même. J'aime beaucoup faire des toilettes séparées comme ça, j'adore ça. Là, ici, je compte peindre une fresque murale, donc c'est pour ça qu'ici, ça semble un peu vide. Mais vous allez voir, quand je vais peindre, ça va aller mieux. Donc, nous avons le petit bazar de Peter, des petits tableaux, un coussin pour que le clown des familles puisse dormir. Et nous avons enfin la cuisine. Donc, les cuisines, c'est vraiment la chose que j'aime le plus faire. Donc voilà, la cuisine avec la vue sur le jardin et sur la clairière. Je voulais faire une grande baie vitrée. J'adore faire des grandes baies vitrées pour la cuisine. Puisque voilà, quand on cuisine ou quand on fait la vaisselle, on peut avoir une jolie vue. Et je trouve ça hyper, 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 hyper joli. Voilà, donc j'ai fait un îlot central avec trois places. Donc NT, moi et Peter quand il sera plus grand. À manger pour les animaux. J'ai également aussi mis le fameux frigo rouge. J'adore ce frigo rouge. Je trouve qu'avoir un frigo rouge, ça fait ressortir vraiment une pièce. Avec quelques petits bricoles, voilà. Je vois d'ailleurs, il y en a une qui a disparu. Il y a quelqu'un qui a mangé les brioches que j'avais mis en haut. Céréales, des trucs comme ça. Les bouteilles de vin, du vin encore ici. Des petites épices, des petits piments, la vaisselle. Et là, ici, en fait, j'ai fait comme un garde-manger. C'est-à-dire qu'en fait... c'est un CC que j'ai téléchargé qui est censé être un frigo mais qui fait très garde-manger. Donc j'ai décidé de, bah, voilà, d'aider une pièce à ça. Comme si c'était un réel garde-manger qu'il fallait juste ouvrir les portes et à se servir. Ensuite, nous passons côté salle à manger, si je puis dire. Donc nous avons un petit côté bar. Donc là, je ne l'ai pas encore trop costumisé puisque je vais essayer de collectionner les posters qu'on peut trouver dans Vie Citadine pour les coller dessus pour que ça fasse vraiment ambiance un peu bar. Et nous avons... la salle à manger, mais bon, je pense que je la modifierai puisqu'avec le kit lessive, maintenant, on peut avoir une table ronde et je pense qu'avoir une table ronde serait plus chaleureux. Ça irait mieux avec la pièce. On passe ensuite à l'autre pièce qui est plutôt une pièce, voilà, elle n'a pas trop d'utilité. Donc, si un jour NT veut l'exploiter, il pourra. Hein, je lui dirai
Voilà, que cette pièce-là, ça peut être la sienne, il peut faire ce qu'il veut dessus. Donc j'ai juste mis un PC, un grand tableau pour qu'on accroche des cartes postales et des photos, et un petit canapé ensuite. Nous avons le sous-sol qui se compose du coup de quelques petites bricoles, hein, de quoi bricoler, etc., faire des sculptures, la laitière du Mkoun des familles, et nous avons les fameuses machines à laver. Voilà, donc c'est au sous-sol qu'on fera nos machines, qu'on fera sécher nos linges, qu'on fera le repassage, le ménage, enfin bref, plein de trucs hyper jolis. Et nous avons mon antre, qui est du coup ma pièce, en tant que vampire. Voilà, j'ai tenu à avoir une pièce parce que bon, quitte à être un vampire, autant avoir sa propre pièce aussi. Donc j'ai mis le portrait du maître des vampires, des tons, des toiles d'araignée, des trucs qui font un peu peur et qui rendent la chose très sombre. Ainsi que là, alors ça c'est un bouquin pour dire des incantations avec une petite marmite. Et la bibliothèque, donc lorsque je voudrais me recueillir, je pourrais aller dans cet endroit. D'ailleurs, je vais profiter pour faire quelque chose. Ah, cosmétique. Tout et... Voilà, moi je veux que ça soit blanc. Voilà, sauf ici. Régler l'intensité de cette pièce. Voilà, je pense que je vais mettre... Ah, je sais pas, il y a toutes les couleurs pourraient aller en fait. Peut-être la jaune irait le mieux. J'hésite avec la verte. La verte, elle fait vraiment dark, mais la jaune, les couleurs, elles ressortent mieux. Bon, je vais laisser la jaune pour celle-là. Et voilà, le reste, c'est en blanc. Comme ça, ça ressort mieux. Donc voilà, pour le premier étage et le sous-sol. Nous avons également le jardin. Donc là, j'ai fait comme j'aime beaucoup faire. C'est que j'ai mis un espèce de petit abri, un espèce de petit porche, hein, sous la maison avec des lumières, des canapés, de quoi se détendre, de se faire du iced tea. Et nous avons le côté barbecue, donc avec la table, etc. Une piscine, un endroit pour que Peter puisse jouer, et j'ai fait exprès de laisser ses patterns libres puisque on va planter des plantes, hein, on va planter des fruits, des fleurs, enfin peu importe, plein de trucs, on va faire du jardinage. Et là j'ai mis une porte pour qu'on puisse sortir, rejoindre ce chemin et aller au choix, soit dans la clairière, soit aller à la clinique vétérinaire, soit ici, enfin voilà. Le jardin, ensuite nous avons le second étage, donc là qui n'est pas complètement aménagé puisque voilà, il faut qu'Anti aussi il aménage son coin. Alors là, je vais juste changer un truc, c'est des bougies, voilà, parfait. Ouais, c'est vraiment un petit détail. Ah, j'ai ma plante qui a disparu aussi, bon, c'est pas grave, je mettrai hors caméra. Donc ça, c'est ma chambre, donc voilà, en enlevant Peter, hein, bien évidemment, qui gêne un peu. Donc j'ai fait une pièce, voilà, c'est le genre de chambre que j'aimerais bien avoir un jour, donc avec des étagères, de la musique, des petites bricoles. Un endroit pour se maquiller, mon lit avec une étagère avec quelques petits trucs et... ce joli petit pan de drap qui est très beau. Un côté bibliothèque et un côté PC. Et ce que j'aime bien dans cette chambre, c'est que du coup, on a une vue, je vais pas dire 360 parce que c'est pas le cas, mais je veux dire, je sais pas, 180 degrés, j'en ai aucune idée. Enfin bref, on a une jolie vue sur une partie du quartier et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ça. On a le placard avec aussi les tongs en guirlande. Ces tongs-là en guirlande, je les adore, elles sont trop adorables. Et enfin, on a ma salle de bain. Donc là, je vais pas faire en vue... en vue proche, je vais faire juste en vue comme ça parce qu'elle est assez petite. Donc voilà, sans prétention, une petite salle de bain toute jolie, toute blanche, toute mignonnette. Et du coup, nous avons ici la chambre de Peter, la salle de bain qu'il partagera avec Enti et la chambre d'Enti. Donc comme toujours, je laisse Enti aménager sa chambre, mais il va aussi aménager celle de son fils, parce que ça me semble normal puisque c'est son fils, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et on va commencer à jouer maintenant que je vous ai posé les bases. Voilà, ça me semble très bien comme ça. Bon, Enti, tu vas aller t'occuper de ton enfant quand même, parce que bon, moi je peux pas tout faire. Tu vas le nourrir, tu vas le bercer, le babiller, l'apaiser, voilà, il va être content. Bon, moi je vois que Sparky, alors déjà je vais peut-être me remettre en tenue de ville, ça peut être pas mal. Je vois que Sparky n'est pas très en forme, il faut que je vois ce qu'il a. Qu'est-ce qui se passe, Sparky? Je crois qu'il a envie de sortir faire une balade, en fait. Sparky doit faire ses besoins. Ah, bah, on va faire une petite promenade, Sparky, écoute. Promener, on va faire durée moyenne, ça m'a l'air très bien. Et voilà,
on part en promenade avec Sparky dans le quartier. Voilà, ça qui est pratique avec cette maison, c'est que direct, on va voilà, sous les réverbères, on va là où il y a des fleurs, des plantes, les oiseaux, les arbres. Enfin voilà, c'est un endroit qui fait vraiment quartier tranquille. Je l'aime beaucoup. Et on va pouvoir se balader. Ah! Mais me pisse pas dessus, hein, Sparky. Donc, Auntie s'occupe de Peter. Voilà, ça a l'air d'aller un peu mieux. Bon, oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. On va aller remplir les gamelles. Oula, il commence à être vraiment fatigué. Tu vas faire à manger pour tout le monde. Ça sera ta punition parce que tu m'as fait épouser quelqu'un qui a une moustache. Même si j'aime bien les moustaches quand même. Moi, je voulais pas me marier avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah, il dort devant la porte. Mais c'est pas très pratique ça. Ah, trop adorable. Regardez-moi ça, on dirait vraiment un... On dirait vraiment qu'il a des mains en fait. Il est trop chou, je vais le prendre en photo. Voilà. Hop. J'adore prendre des photos en jeu. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de mettre. C'est l'alarme. Anti-incendie quand même. Parce que je vois qu'Anti fait à manger. Je prends mes précautions. Eh bah dis donc, on fait une longue balade, hein, lui et moi. Je crois qu'il commence à fatiguer, non? Non, ça a l'air d'aller. Bon bah, je pense qu'on peut rentrer à la maison maintenant. Où est-ce qu'il va, Sparky? Ah, il rentre à la maison aussi. J'ai eu peur, je pensais qu'il allait s'enfuir. Donc, Auntie, comment ça va? Ah, t'es fatigué, c'est normal. Hop, tu vas me prendre ça. Bon, en attendant, tu vas pouvoir emprunter ma douche quand même. Je suis gentille, je suis cool. Ah, le coon, ça va pas non plus. Eh bah, dis donc, ça y est. On emménage dans une nouvelle maison, il n'y a rien qui va. Bah, t'as une litière en bas. J'aimerais avoir une litière propre et agréable. Bah, elle est là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut peut-être pas y accéder. Voilà, maintenant tu peux. Est-ce qu'il va y aller? Non, il n'y va pas. Peut-être qu'il a pas compris. Ah, Sparky, qu'est-ce que tu fais? Oh, il nage. Mais c'est trop bien. Je vais prendre une photo de lui pendant qu'il nage et je vais poster sur Simstagram. On va mettre les plumes aussi. Voilà. Je pense qu'il y a tout. Piste de danse en carton. Ah, pourquoi j'ai ça dans mon inventaire? Bon, on va la mettre là. Hein. Je vais m'entraîner dessus, écoutez. Du coup, petite astuce pour tout ce qui est cadre. Moi, ce que j'aime bien, c'est retourner après dans le mode achat, les mettre en blanc. Ça, on peut pas le modifier, c'est pas grave. Et après, hop, je les mets en maintenant la touche Alt, comme bon me semble. Voilà, on va essayer de faire en sorte voilà, que ça respecte les trucs. Et après, je vais chercher des tableaux. On va prendre par exemple, non pas celui-là, il n'est pas très joli, autant pour moi. On va prendre par exemple le prisme et hop, je rajoute celui-là aussi. On va prendre quoi? On va prendre un cerf en l'honneur des biches. Et en fait voilà, l'idée c'est un petit peu de faire matcher les petits et les grands ensemble. Ça, je vais le rétrécir. Encore un chouïa. Voilà. Vous savez que maintenant, vous pouvez, avec Alt et la parenthèse qui ferme, rétrécir les objets. Avant, on ne pouvait pas. Et maintenant, on peut. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Et au fur et à mesure, avec le mur, on va pouvoir faire des trucs hyper sympas. Je vais peut-être en rajouter un dernier. Peut-être rajouter ça. En le rétrécissant. Voilà. Vous voyez, on peut faire vraiment des styles assez sympas juste en mélangeant les quatre comme ça, entre les photos, les collections et les tableaux. Voilà, et je pense que ce mur-là, on va essayer de le compléter au fur et à mesure. Ah, le petit bébé ne va pas très bien. Julien, il faut que tu y ailles. Il t'appelle. Généralement, de toute façon, à cet âge-là, quand ils sont pas bien comme ça, c'est qu'ils veulent manger ou qu'il faut changer la couche. Ah mince, je commence dans une heure, mais j'ai pas le temps de dormir.
Bon, c'est pas grave. On va faire avec... Ouh, tu rendors pas. Va prendre une douche avant d'aller au travail. Ah, c'est bientôt l'anniversaire. Putain, il va enfin devenir un bambin. Oh, déjà. Il faut que je morde quelqu'un. Ah, ok. Pas le temps. Je morderai quelqu'un au travail. C'est pas grave. En tout cas, j'adore ma nouvelle maison. Elle est vraiment trop chouette. J'aime beaucoup. Si vous voulez, je peux vous la partager dans la galerie. De toute façon, elle y est. Par contre, si vous n'avez pas les mêmes CC que moi, il risque de disparaître. Donc faites attention, hein. Vous dites pas que vous allez avoir la même maison. Vous allez avoir peut-être la structure plus d'autres objets si on a les mêmes kits. Mais certains CC, vous n'allez pas les avoir. Donc nous voilà au travail. D'ailleurs, est-ce que ma compétence elle a augmenté ou pas? Non, pas pour le moment. Et c'est où déjà? Voilà, résistance soleil, c'est la prochaine étape. J'espère qu'on va bientôt l'atteindre. Parce que sinon, ça va devenir compliqué. Ah ah! Je sévis même sur le lieu de travail. Voilà. Oh! Alice, elle apprécie pas trop ça. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois analyser une preuve. Parce que je sais plus où est-ce que j'en étais dans tout ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il parle tout seul? Il parle avec la porte? Malade? Il me semblait que c'était dans le téléphone. Voilà, ouvrir le carnet. Ah non, il n'y a rien dans le carnet. Ok, donc non. Ça n'a rien à voir. Il me semblait que le carnet, ça servait à la carrière de police pour avoir les indices, pour les écrire, mais apparemment pas du tout. Ah, j'ai un indice. Je vais pouvoir ajouter l'indice. Alors, c'est une femme. Ok, le seul truc que je sais, c'est que c'est une femme. Déduire un nouvel indice, il me faudrait plus d'indices quand même. Ah, j'ai pas réussi à déduire d'indice. Bon, c'est pas grave, il me reste encore une preuve, je vais l'analyser. La dernière, j'espère que je vais pas foirer parce que c'est la dernière preuve qui me reste. Parce que dire que la criminelle est une femme, c'est assez vague quand même. Ah non, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas bien grave, on va aller sur le PC et on va comparer les informations de la base de données de la police avec la déclaration du témoin. Et du coup, ça m'a pas donné un nouvel indice? Ah si, je peux ajouter un indice. Alors, suspect portait un home à manches courtes. Ah, ça c'est bien ça. Est-ce que du coup je lance un avis de recherche? Je comparerai bien encore une dernière fois pour être sûre de mon coup avec les photos de la scène de crime. Autant exploiter toutes les preuves pour coffrer quelqu'un. Et on va ajouter encore un indice, on va bien voir. Donc une femme à manches... Je pense qu'on a cette preuve, on va pouvoir lancer un avis de recherche. Ok, donc on est... Je ne sais même pas où on est... Dans le truc de piscine, donc à manches courtes, qui porte un jean. Ah d'accord, elle se baigne, d'accord. Elle se baigne tout habillée, du coup, pour que je puisse bien voir que c'est pas elle la suspecte. Ça, c'est un homme. Eh, charmant cet endroit, je le connaissais pas. Ah, c'est dans Badaton Bay. Ton, Bay. Je confonds toujours le nom. Est-ce que ça serait pas elle? Non, pas elle, derrière. Parce que manches courtes, c'est un t-shirt et un jean. Non, c'est pas un jean. Faut que ça soit un jean. C'est formel. Bon, en attendant, je vais communiquer avec les gens. Ah, est-ce que ça serait pas elle? Attendez, elle porte quoi? Elle porte un jean, manches courtes. Je pense que c'est elle. On va l'arrêter. On va faire confiance à notre feeling. Je ne vois qu'elle. Qui peut être la suspecte. Ouh, c'était peut-être elle alors. Vous avez fait une erreur. Assurez-vous de savoir ce que vous faites avant d'arrêter quelqu'un. Mince. Alors, ça veut dire que c'est elle. Oh merde, faut vite que je l'arrête. Je suis en train de brûler. Ah, je vais mourir, je vais mourir. Vite. Bon, c'est aucune des deux. Je trouve ça bizarre. Voilà, ça va mieux. Bon, alors, allez-vous cette personne? C'est peut-être pas elle. Est-ce que ça serait elle? En fait, je vais tous les essayer au bout d'un moment. Vous avez diminué votre performance au travail. Mince. Bon, c'est pas grave, je tente. Non! Je suis en train de diminuer ma performance au travail, mais où est-ce qu'elle est? Est-ce que ça serait elle? Je tente. Elle doit être là, ça c'est sûr. Et c'est une femme. Non! Injustifié. Oh là là. Où est-ce qu'elle est? Oh là là, elle est moyenne. Oh là là. Bon, bah là, je sais pas où est-ce qu'il est le suspect. Si c'est pas elle, ça peut pas être elle non plus. Tant pis, je vais aller au commissariat. Je n'ai pas trouvé mon suspect. C'est un échec total. Ah, Je rentre enfin à la maison, je vais pouvoir me reposer. Bon, je pense que je vais carrément aller dans mon cercueil pour dormir. Parce que là, je suis
hyper crevée, je suis au bout de ma vie. Ah, je suis en train de m'enflammer en plus. Vite, dans la maison. Ça va pas. Peter râle. Ça va aller mieux après. Enfin, quoique. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qui va pas, le Kunde Fami? Ça se trouve, il est malade. Il semble avoir peur de quelque chose. Il a besoin d'une minute pour se calmer. Bah alors, comment on peut le calmer? Envoyer le chat à l'extérieur afin qu'il ait du temps pour s'occuper de lui tout seul. Bah je vais faire ça, comme ça il va se calmer. Ah, il y a des personnes, on va inviter les voisins. Ah, j'ai pas mis de musique. Je vais installer. Ah si, voilà, il y a une chaîne là. C'est bien ce qui me semblait. On va mettre un peu de musique. Musique d'ambiance. Voilà, parfait. Il dit à Auntie d'arrêter de parler. Il fait trop de bruit pendant le film. Mais comment ça, tu peux pas te déplacer? Bah bien sûr que si, que tu peux te déplacer. Attends, c'est pas l'autre qui va aller s'occuper de ton gamin quand même. Allez, pousse-toi. Voilà, t'es mignon. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut lui faire souffler les bougies? Je crois pas, hein. Je crois que quand ils sont petits comme ça, on peut pas. Attends, je veux pas que ce soit lui. Non. Parce qu'après... Ok, bon, tant pis. Je crois pas qu'on puisse faire souffler les bougies. Donc du coup, on va faire changer d'âge directement. Au pire, c'est pas grave. On va ranger le gâteau. Et hop là! Attendez, Peter. Pourquoi il a les cheveux comme ça? Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Pénible. Parfait. Pénible, c'est parfait. Bah, il douche! Attendez, il douche? C'est quoi ce délire? Non, il douche pas. C'est bien petit garçon, mais il a une coupe de fille. Enfin... Non, on n'empêche pas l'autre, hein, mais du coup, j'ai cru que c'était une fille quand même. Hein. Cette coupe-là... Oh, j'adore cette coupe pour les petits garçons. Ça va pas être nickel. Juste des chaussures, on va en mettre d'autres. Elles sont pas jolies, celles-là. On va mettre celle-là. Oh, trop adorable. Oh, pourquoi il pleure? Ah, au calme, ils discutent comme ça, tranquille. Bah, Auntie. Qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Voilà, là, ça fonctionne. Voilà, une petite histoire pour dormir. Moi, j'ai besoin d'énergie, donc je vais aller hiberner. Voilà, comme ça, tranquille. Je reprends des forces. Et voilà. Tout le monde semble dormir. On a Sparky qui dort là. Peter dans sa voiture. Auntie dans son lit de camping. Le Coon des familles, bon, lui, il dort pas, mais ça ne serait tardé. Et il y a moi qui suis en train d'hiberner. Donc voilà, les amis, on va se laisser sur cette très belle journée ensemble. Donc dans notre nouvelle maison, dans le quartier de Bretton Bay. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Semaine prochaine, la suite sera sur la vidéo, sur la chaîne, pardon, de Auntie. Et la semaine d'après, ce sera à mon tour. Donc je vous dis à dans 2 semaines pour une colloque d'enfer. Ciao.